Donc Christophe Varin, je suis fondateur et gérant de l'entreprise Econature Normandie, qui est située à Le Guilin dans la Manche. Je fais de l'éco-pâturage depuis 8 ans, j'ai créé l'entreprise en 2014. Donc je loue mes animaux pour l'entretien des espaces verts, notamment des chefs des fossés. J'ai un troupeau de 250 animaux, j'ai à peu près 80 chefs des fossés. Et le reste, c'est des moutons, donc race locale. Donc, et je travaille exclusivement avec des races locales ou des races en voie de disparition. Donc le mouton avranchin, le cotentin, le roussin de la Hague. J'ai des landes de Bretagne et quelques ouessants. Et évidemment, la chef des fossés. Comment ça se passe? Donc, je travaille beaucoup. Trois quarts, c'est des collectivités, on va dire. Collectivités, entreprises et quelques particuliers aussi, ça commence. Des gens qui, la première année, qui n'osent pas investir dans les animaux, donc qui préfèrent faire de la location, voir si ça leur convient, et puis après investir dans des animaux. Au préalable, je viens voir le terrain, voir ce qu'on peut faire, quel type d'animaux faut mettre par rapport à la végétation, voir si le terrain est clos ou pas du tout, savoir s'il faut clore. Après, j'établis un devis, si ça leur convient, après c'est parti, donc on met des animaux. Une fois que les animaux sont mis en place, moi je passe régulièrement les voir, voir si tout se passe bien. Après c'est un partenariat aussi avec les collectivités qui s'engagent la plupart du temps à approvisionner en eau. De temps en temps, notamment sur la ville de Saint-Lô, il y a un référent qui vient vérifier les animaux, je dirais il passe deux fois par semaine à peu près. Et puis s'il y a un problème, on m'appelle, donc moi j'interviens. S'il y a des soins à faire, c'est moi qui les fais. S'il y a des animaux qui s'échappent ou vice-versa, c'est moi qui interviens. Ça reste mes animaux, donc ils sont sous ma responsabilité. Donc, moi, je mets mes animaux donc, du printemps, donc souvent c'est courant avril, à octobre, novembre, voire décembre, suivant la météo, si la météo est toujours clémente. Je ne mets aucun animal sur site l'hiver. Tout simplement par rapport au terrain, pour que le terrain puisse aussi se régénérer. Et par rapport, parce que moi je fais reproduire mes animaux, donc par rapport aux mises bas. Donc toutes les mises bas se font à la ferme. Parce que l'idée c'est de préserver nos races, mais c'est aussi pour les préserver, il faut les faire reproduire. Donc là actuellement, aujourd'hui j'ai 60 sites à gérer. Donc ça va des sites de 2 animaux à une trentaine d'animaux. Le plus petit c'est 2 et le plus gros je crois que c'est 35 animaux. Ils sont répartis sur toute la Normandie. Ça va de 1200 m² à ici, on est sur un site qui fait 1,2 hectare je crois, de mémoire. Donc sur des sites, on va mettre, quand c'est des petits sites, on va mettre des moutons d'ouessant par exemple, quand c'est que de l'herbe surtout. Comme là ici, un site où c'est y a un peu de tout en végétation, donc on va mettre des chèvres, des moutons, on essaye de panacher un peu les animaux. Une chèvre va manger, va se jeter sur le lierre, sur les orties quand ils sont en fleurs, sur les chardrons, donc le rumex, nous vulgairement on appelle ça la doche par ici, ça se jette dessus, donc c'est la renouée du Japon aussi, et ça c'est une plante invasive. En revenant sur le rumex, l'avantage c'est que ça mange des graines, et c'est une plante à tube. Donc on est en Normandie, la petite goutte d'eau qui tombe de temps en temps fait pourrir naturellement la plante. Donc ça c'est super intéressant. Et vu qu'ils mangent les graines, ça évite à la plante de se propager. Il faut déjà être éleveur avant tout, c'est pas de mettre ses animaux en place et de dire je les récupère dans 6 mois et tout va bien. Il faut aimer faire de la route, parce qu'on peut être appelé à n'importe quel moment et faut être disponible. Parce que ça reste nos animaux, c'est notre responsabilité. Donc voilà, c'est quand même contraignant, c'est un métier contraignant. Et si on veut en vivre, il faut quand même avoir plusieurs sites. Moi j'en vis actuellement, j'ai mis 8 ans pour pouvoir en vivre. Donc voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc moi je trouve cette activité hyper intéressante du côté... je dirais côté social, quand je fais des clôtures ou quand je mets des animaux en place, les gens viennent nous voir et me voir et discuter, savoir ce qu'on fait et trouvent l'idée hyper intéressante. Cette année à Saint-Lô, il y a une expérience qui est faite au niveau des remparts, rempart nord, rue de la Poterne. Il y a un côté qui a été fait mécaniquement et un autre côté qui est fait par les animaux, donc notamment par les chèvres.
Et bah justement, on revient au côté social où les chèvres, bah les gens s'arrêtent de voir les chèvres, disent « Regarde, dès qu'il y a un problème, je suis appelé, voilà. » Mais je trouve le côté super sympa et en plus, ça marche. C'était une expérience, on va dire, et l'année prochaine, ils veulent passer en clôture en dur pour pérenniser la chose, en fait. Et ça va être des animaux qui vont entretenir les remparts, le pied des remparts. Donc moi, l'éco-pâturage, j'ai commencé en 2014 avec 35 animaux. 8 ans après, j'en ai 280. Donc oui, ça se développe. Après, moi, j'ai fait le pari de travailler avec des races locales. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, ça marche énormément. Le développement cette année est énorme. Donc est-ce que le biais des races locales a joué? J'espère. J'espère que c'est ça. Que je ne suis pas tout seul à y croire que nos races locales ont leur place sur notre territoire.